Rapport VK. Voyage d'études des cercles anglais. Campagne de 1991 par Gilles Munch. Avant-propos. Ce dossier, réalisé au début de 1993, paraît un peu tardivement puisque 2 années se sont écoulées depuis. Les étés 93 et 94 ont sûrement apporté d'autres éléments pouvant renforcer ou infirmer les propos tenus dans ce dossier. Malheureusement, le groupe VK n'a pas poursuivi ses investigations outre-Manche. Les divers participants ne souhaitant pas, pour la plupart, consacrer une fois encore leur congé d'été à l'étude d'un sujet semblant bien avoir perdu l'essentiel de son mystère. Ne maîtrisant pas la langue anglaise, je n'ai pu terminer comme je l'aurais souhaité une étude qui pourtant semblait aboutir à des résultats tangibles. Conformément à nos prédictions de 1989-90, le phénomène s'est étendu à la plupart des pays et continents. Nous pensions que le succès médiatique recueilli par ce mystère conduira à cette propagation, et il semble bien que les faits nous aient donné raison. Ayant appris l'apparition de crop circles en Hongrie durant l'été 1992, nous fûmes 3 anciens membres du groupe VK à décider d'y aller voir de plus près afin de comparer les caractéristiques observables au niveau des figures elles-mêmes mais aussi de leur contexte sociologique. L'été 93 fut moins prolixe en événements, mais nous pûmes cependant visiter quelques sites et constater qu'il n'y avait probablement là qu'un pâle imitation du phénomène original. Ce fut d'ailleurs le cas dans les divers pays ayant vu l'apparition sur leur sol de ces étranges figures céréalières. Notre voyage fut renouvelé en 1994, sans rencontrer une seule figure. Poursuivi jusqu'en Roumanie, notre voyage aurait pu nous permettre de prendre en compte la première occurrence du phénomène dans ce pays. Mais nous en eûmes connaissance qu'à notre retour, alors même que nous avions appris là-bas qu'un pictogramme venait de fleurir en Lorraine. Toujours est-il que le manque d'informations en provenance d'Angleterre ne me permet plus, à l'heure actuelle, d'apprécier si les lignes qui suivent ont gagné en pertinence ou si à l'inverse les faits survenus depuis sont en mesure de les contredire formellement. Je remercie par avance les personnes susceptibles d'avoir pris notre relais sur le sol anglais. Gilles Munch, mai 1995. Glossaire. Céréalogie. Comme l'ufologie consiste à étudier la problématique OVNI, UFO en anglais, la céréalogie s'attache à résoudre l'énigme liée à l'apparition de figures géométriques dans les champs de céréales en général. Figures constituées d'épis couchés de façon diverse mais ordonnées et contrastant ainsi avec les épis voisins demeurés intacts. Crop circle ou corn circle de crop ou corne, grain, épis, céréales. Figure plus ou moins géométrique réalisée par couchage des épis dans un champ de céréales. L'Angleterre est divisée en comtés, l'analogie des départements français. Voici dans lesquels nous sommes intervenus pour étudier ce problème avec quelques villes concernées par le phénomène. Hampshire, Andover, Winchester et Southampton. Wiltshire, Salisbury, Marlborough, Devizes, Kelln, Warminster, Swindon, Avon, Bristol, Bath. Quelques sites remarquables. Silbury Hill, plus gros tumulus d'Europe, situé près de Marlborough. Chisefoot Head, amphithéâtre naturel en bordure de la A272, près de Winchester. Old Sarum, site mégalithique proche de Salisbury. Avebury, site mégalithique remarquable situé près de Marlborough. Barbary Castle, ruine d'un château près de Wharton. Stonehenge, célèbre site mégalithique près de Amesbury. Whitehorse, plusieurs sites ainsi nommés, Westbury, Alton Burns, Cheryl, et qui présente un cheval blanc gravé à flanc de colline, calcaire. Wedgeway, chemin correspondant à la plus ancienne voie de communication connue. Quelques céréalogistes et parfois ufologues anglais cités dans ce document. Colin Andrews, ingénieur céréalogiste, co-auteur du premier ouvrage sur la question. Pat Delgado, ingénieur ufologue céréalogiste, co-auteur du premier ouvrage sur la question. Terence Miden, docteur en physique, céréalogiste, plusieurs ouvrages, thèse météorologique. Paul Fuller,
statisticien, ufologue et céréalogiste, co-auteur avec Jenny Randles. Donald Shirreff, scientifique, auteur de plusieurs articles de presse, comme dans Times, sur le sujet. Ken Brown, céréalogiste, auteur d'articles dans les revues spécialisées, plutôt sceptique. Martin Hempstead dirige le groupe des Sceptiques de Southampton, revue The Sceptic. J.F. Langrish, céréalogiste spécialisé dans le dessin, croquis des crop circles. Doug et Dave, Douglas Bower et Davis Shirley sont les deux sexagénaires anglais qui revendiquent la paternité du phénomène ainsi qu'une bonne partie des figures réalisées. Quelques termes céréalogistes. Cercle isolé, figure constituée exclusivement ou essentiellement d'un cercle des pieds couchés. Anneau, généralement autour d'un cercle ou d'un anneau plus petit, mais pas nécessairement. Satellite, petit cercle accompagnant un cercle plus important, souvent plusieurs satellites. Doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, ensemble constitué essentiellement de 2, 3 ou 5 cercles. Couloir ou allée ou corridor, bande rectangulaire d'épis couchés débouchant d'un ou des deux côtés. Box, idem mais de débouchant pas, donc isolé du reste, souvent plusieurs accolés. Excroissance appendice, forme quelconque mais peu développée, généralement radialement. Scroll, couloir incurvé, serpentant ou s'enroulant sur lui-même. Boucle, couloir s'enroulant sur lui-même à son extrémité, sorte de petit anneau d'extrémité. Échelle, deux longs couloirs parallèles, peu larges, reliés par une série de couloirs orthogonaux. Clé, deux ou trois excroissances parallèles entre elles, mais situées à l'extrémité d'un couloir et perpendiculaires à celui-ci. Antenne, couloir se terminant par un petit cercle ou une boucle. Rajout, zone d'épi couché réalisée postérieurement à la figure, origine souvent inconnue. Pictogramme, figure complexe combinant cercle, anneau, couloir et autres éléments ou détails. Insectogramme, famille de pictogrammes dont le tracé évoque des dessins d'insectes. Signature, petite annexe récurrente située à proximité des figures et semblant faire office de revendication quant à leur origine, paternité. Tramlines, traces doubles, sauf en virage, laissées par les engins agricoles et qui sillonnent les champs. Les épis ne peuvent y pousser du fait de l'écrasement de la terre à cet endroit, compactage. Elles sont parallèles entre elles et régulièrement espacées. Un homme peut s'y déplacer aisément sans laisser de traces et sans fatigue. Elles sont particulièrement larges dans les champs de blé. Il s'agit de traces laissées dans un champ de céréales par un homme marchant sans autre précaution qu'un pied devant l'autre. Les épis ainsi couchés sur une largeur de 5 à 10 cm disparaissent en première approche. Dissimulés sous les couches ultérieures d'épis, ils se dirigent pour la plupart vers les centres des cercles. Ils sont nommés sentiers. Zone de recouvrement, il s'agit d'un endroit où les épis, en se couchant, viennent recouvrir d'autres épis précédemment couchés lors de la création d'une structure antérieure. Exemple, une allée recouvrant le bord du cercle, un anneau recouvrant le bord d'une allée. Interrang, les épis sont semés en ligne parallèle, rang, espacés d'environ 5 cm. Sens horaire ou anti-horaire, c'est le sens, vu du ciel, de recouchage des cercles ou les anneaux. Construction et enfilade ou en continuité. Structure réalisée successivement sans s'arrêter. Verse, zone d'épis couchée par effet du vent ou de la pluie, ou par affaissement spontané, exemple essai d'azote. Donc par cause naturelle, sont généralement peu ordonnées. Car park, terrain, aménagé ou non, tenant lieu de parking. Footpath, sentier autorisé aux piétons, exemple sentier de grande randonnée qui traverse légalement les champs cultivés. Locustel, petit oiseau vivant dans les fourrés et dont le chant, ressemblant à celui d'un criquet, fut entendu à She's Footed, à proximité d'un camp de circle et qui fut interprété comme un bruit paranormal. Identification VK89. Pub céréalogiste. Certains pubs, cafés, constituent des lieux privilégiés de rencontre pour les céréalogistes de tout poil et de toute nationalité. Opération Blackbird, oiseau noir, opération de surveillance supervisée par C. Andrew et P. Delgado à Westerly, Whitehorse, en juillet 1990, en collaboration avec l'armée anglaise. Matériel plus sophistiqué, estimé à 1 million de livres sterling. Opération Blue Hill, colline bleue, opération de surveillance supervisée par T. Miden
en juillet-août 1991 depuis la colline de Morgan's Hill. Utilisation de matériel météorologique et d'un radar de bateau. Voir aussi Science et Vie, article relatant le VK-90 dans le numéro 878 de novembre 1990. Phénomena, revue ufologique de l'association SOS OVNI, voir article de Renaud Maric dans le numéro 5 de septembre-octobre 1991. OVNI Présence, revue ufologique, voir article de Raoul Robet dans le numéro 46 d'août 1991. Contribution à l'étude des crop circles. Ce dossier comprend 6 parties sur 7 prévues, à savoir Chronique d'Outre-Manche. Il s'agit d'un résumé des principaux événements survenus à l'occasion de 4 années consacrées à la question des crop circles. Cette narration permet de mieux situer la démarche qui fut la nôtre et par voie de conséquence, de mieux suivre l'évolution de notre pensée quant à la nature même de ce phénomène. Prise en compte d'une hypothèse. Cette partie développe plus précisément les arguments qui, peu à peu, ont conduit certains d'entre nous à considérer l'hypothèse « fabrication humaine » comme digne d'intérêt d'abord, puis susceptible de s'imposer ensuite. Élaboration d'un modèle. Une fois cette hypothèse posée, il s'agit alors de vérifier un certain nombre de paramètres observables, susceptibles d'être enregistrés sur le terrain et pouvant s'affirmer comme révélateurs d'une logique et d'un mode opératoire bien humain. Bilan, non exhaustif, des observations VK-91. Simple compilation, site par site, des détails observés lors de nos visites sur les lieux. Bilan non exhaustif des observations VK-92, prévues mais non inclus. Idem pour l'année suivante, non présentée ici car encore non mis en forme. Ce travail important serait à réaliser que si l'intérêt accordé au volet 1991 le justifie. Toutes les informations sont disponibles pour ce deuxième volet. Conclusion provisoire, en résumé ma vision des choses au printemps 1993. Annexe, quelques compléments pour alimenter la réflexion. Avertissement. La lecture de ce document peut s'effectuer dans l'ordre de sa présentation, ce qui permet de compulser les résultats obtenus sur le terrain à la lumière du modèle proposé. La lecture s'en trouve moins fastidieuse et moins rébarbative, car l'étude cas par cas se résume à confronter le modèle à l'épreuve des faits. Une autre lecture est possible en commençant par l'examen des observations 91 et 92 sans avoir préalablement pris connaissance du dit modèle. Cette approche permet de se faire une idée personnelle des faits rapportés pour la comparer ensuite à notre propre interprétation. En fait, l'investigation in situ a d'abord constitué pour nous à observer les traces céréalières, puis peu à peu, notre modèle prenant forme dans nos esprits, notre travail a davantage constitué à vérifier sur le site les prédictions que notre modèle nous incitait à élaborer, avant même de pénétrer dans les champs affectés par ce phénomène insolite. Chronique d'Outre-Manche, première partie. Le caractère inexpliqué des corn circles et l'absence d'évidence quant à leur mode d'apparition ont rapidement étayé l'hypothèse que des ovnis pouvaient en être la cause. L'hypothèse extraterrestre restant la plus communément associée à l'idée des phénomènes aérospatiaux non identifiés, tant chez le public que pour les amateurs d'insolites. Ses partisans inconditionnels retrouvèrent la matière à reprendre du poil de la bête. L'ufologie anglaise est bientôt mondiale, puisque le phénomène semblait gagner la planète, pouvait ignorer ce nouveau problème. Et c'est ainsi que nous eûmes vent de l'affaire. Jean Sidère, ardent défenseur de lâcheté devant l'éternel, nous exposa l'état de la question à l'occasion d'une session du comité nord-est des groupements ufologiques, CNEGU. Diapositive très représentative à l'appui. L'ouverture d'esprit étant plus que nécessaire en ufologie, force était de constater l'aspect pour le moins troublant des faits rapportés. Rien ne permettait d'éliminer a priori un possible lien avec le phénomène OVNI. De plus, et surtout, le caractère récurrent de ces traces physiques, pour le moins accessibles, constituait une première en ufologie. Ne pas se pencher sur ces éléments concrets et palpables eût été à nos yeux une hérésie, dans la mesure où le caractère évanescent de notre sujet d'étude n'avait de cesse de nous déprimer. Pour une fois que le phénomène, si c'était lui, se laissait approcher docilement, et c'est ainsi que germa l'idée d'aller à le voir de plus près, de faire le déplacement
pour se rendre compte par nous-mêmes du bien fondé de ce curieux dossier. Une discussion personnelle avec François Diolez, reprise quelques mois plus tard avec Christine Ziward, naquit une proposition du voyage outre-Manche qui reçut aussitôt l'assentiment de plusieurs ufologues du CNEGU. Premier épisode. C'est donc fort de cette personne que la première équipe prit la route en juillet 1989. Les contacts épistolaires précédemment entrepris nous conduisirent cette année-là à établir des liens de collaboration avec Colin Andrew et Pat Delgaldo. Notre arrivée coïncida avec l'apparition de leur premier ouvrage, Circular Evidence, traduit les premiers du genre, et la montée en puissance de l'intérêt des médias pour ce sujet des crop circles. L'absence de préparation et notre inexpérience en ce domaine, interdisant toute approche sélective du problème, notre objectif se limitait donc à prendre la température d'un phénomène et du contexte dans lequel il se situait. La beauté insolite de la région renforça sensiblement notre plaisir et la passion que, jour après jour, nous allions développer en regard de la question céréalogique. Le séjour ne dura que 8 jours, mais fut d'une activité non-stop. 15 heures de sommeil en 9 jours. Avec ce seul chiffre, vous comprenez pourquoi le voyage de retour sembla interminable. Tout dans cette aventure fut de nature à renforcer notre intérêt pour la question. Le mystère complet qui ne cessait de s'épaissir, la collaboration tant des fermiers que de céréalogistes, le charme d'une région superbe, une météo exceptionnellement clémente, le plaisir d'une expérience collective, essentiellement orientée sur les investigations de terrain, fut un atout de plus pour nous convaincre de ne pas en rester là. Le groupe se réunit plusieurs fois dans les semaines qui suivirent notre retour afin de dresser le bilan des documents engrangés et pour échafauder déjà un plan de travail en vue d'un second voyage qui se désignait déjà pour l'horizon 90. L'ampleur de la tâche et l'impact de nos péripéties suscitèrent le renfort de plusieurs personnes désireuses de nous rejoindre. Cette aide fut acceptée avec enthousiasme, mais non sans la crainte de voir se compliquer la gestion humaine de toutes ces ressources. Deuxième épisode. L'équipe doubla quasiment, et la cadence des réunions, la somme de travail imposée par de multiples projets préparés avec minutie, et la nécessité de tout coordonner nous conduisirent, peu à peu, à reléguer au second rang nos activités ufologiques habituelles. La fatigue aidant et l'approche de la nouvelle saison céréalogiste firent monter la pression. Divers aléas de santé pour les uns et des divergences d'opinion pour d'autres contribuèrent malheureusement à une réduction des effectifs et par voie de conséquence, une révision à la baisse des projets. C'est à cette époque, et non sans difficulté, qu'eut lieu la fameuse « expérience des Verdes ». À cette occasion, et sur la base d'un cahier des charges rigoureux, un spécialiste en trucage à la retraite, Monsieur André Delepierre, réalisa un faux. À la demande du groupe, entre-temps dénommé VK90, et sous le contrôle d'un huissier. Cette expérience fut riche d'enseignements car, sans aucunement démontrer que les cercles étaient construits de main d'homme, elle apportait cependant la preuve d'une certaine faisabilité. L'hypothèse d'une machination, trop rapidement reléguée aux oubliettes, reprenait crédit d'autant que le travail mené durant de longs mois avait déjà suscité, chez certains membres de l'équipe, quelques idées allant dans ce sens. Il est bon de préciser d'ailleurs que cette poussée de scepticisme prudent, doublée d'une volonté de rigueur extrême, suscita un vent de discorde dans l'équipe. Ces divergences de vues ainsi que des choix méthodologiques différents conduisirent Yves Chausson, équipier de la première heure, à faire cavalier seul. Robert Fischer, pour sa part, quoique demeurant au sein du groupe, affichait peu à peu des positions radicalement divergentes. Dans le même temps, Christine Zwigart renonçait à prendre part au voyage. Lionel Robet et Hervé Pierron ne feraient plus partie du groupe depuis quelques mois. C'était donc une équipe en grande partie renouvelée qui s'engageait donc pour le second périple. Lors du départ survint comme une libération pour les 8 rescapés. 4 d'entre eux disposaient d'une semaine, alors que les 4 autres s'en octroyaient le double.
La structure mise en place reposait sur la location d'une magnifique cottage qui s'avéra capitale pour le déroulement du séjour. Une panne mécanique nous restreignant à trois voitures, les gens défilèrent les unes après les autres, absorbés dans une course folle d'un site à un autre. De rendez-vous en interview, de surprise en surprise, d'imprévu en aléa. La première semaine, profitant du nombre, les nuits furent consacrées à la surveillance du secteur très récurrent de Silbury Hill. Chacun sacrifiant la moitié de son sommeil aux exigences d'une savante organisation. Plusieurs survols en ULM enrichirent la moisson de documents photo-vidéo. Si l'année 89 avait été marquée du saut de Colin Andrew, cette nouvelle saison le plaçait sous le feu incessant des médias. Pleinement engagé dans l'opération Blackbird, il s'avérait inaccessible d'abord. À l'inverse, c'est le docteur Terence Maiden, déjà rencontré à l'occasion des rencontres de Lyon 1990, qui se montrait le plus disposé à la collaboration, accompagné en cela par son ami Paul Fuller. Les contacts furent donc fréquents et constructifs, alors même que nous poursuivions notre collecte tous azimuts. La deuxième semaine fut tout aussi passionnante et fructueuse, bien que moins éprouvante du fait du relâchement au niveau de sa surveillance nocturne. Elle fut essentiellement employée à développer les contacts, à suivre l'actualité qui chaque jour apportait son lot de nouveautés et bien sûr à compléter la masse déjà énorme d'informations en notre possession. Ainsi le retour en France clôtura quasiment une année de dur labeur. La décompression qui suivit permit de recenser les données recueillies puis, profitant de l'intérêt manifesté par les médias, Thierry Pinvidic et Gilles Durand prirent en charge l'élaboration d'un article censé faire le point de nos travaux. C'est également le magazine Science et Vie qui se fit l'écho de cet article dont l'objectif était d'informer le public sur certains aspects trop souvent négligés de ce problème. L'opportunité ainsi offerte d'amortir en partie le coût de l'expérience de Verde nous satisfaisait par la même occasion. Cet article, pour le moins caviardé par la rédaction du magazine, suscita maintes réactions allant de l'approbation globale aux critiques les plus acerbes. Une fois de plus, la passion empêcha certains de lire le texte avec attention, ce qui leur permit d'y voir, selon les goûts, la démonstration d'une grotesque machination ou à l'inverse un tissu de contre-vérité. Le bilan futuré de l'expérience 90 et la poursuite des recherches en 91 fut discuté. Quatre d'entre nous décidèrent de ne pas renouveler le voyage, estimant pour chacun d'entre eux que la probabilité d'une explication non humaine devenait trop faible pour justifier l'investissement en temps, en argent et en énergie qu'il fallait y consentir. Il faut dire que l'apparition des pictogrammes, figure complexe, avait mis bien à mal des hypothèses jusqu'alors estimées recevables. Exemple, l'hypothèse des vortex plasmatiques de T. Maiden. Troisième épisode. Aucun projet précis ne se dessina durant l'hiver 1990-1991, chacun s'expliquant à mieux recenser les acquis. Et c'est finalement bien tardivement que le troisième voyage fut décidé. Seuls Thierry Pinvidic et Gilles Durand, accompagnés de sa petite famille, entreprirent de m'accompagner une nouvelle fois. Cependant, un renfort de dernière minute survint en la personne de Renaud Maric, motivé pour un reportage au bénéfice de son association et sa revue Phénoména. Entre-temps, Yves Chausson et Robert Fischer, toujours démarqués du groupe, s'étaient déplacés durant une petite semaine dès le début de la saison. Yves décidait, avec Opiana Trotté, de poursuivre son cavalier seul comme l'année précédente. Son périple en solitaire allait une fois de plus croiser fréquemment notre propre route, ce qui montre au passage combien le monde serré à la joujiste est petit. À trois équipiers réels, il devenait impossible de poursuivre des projets ambitieux tels qu'une surveillance systématique ou des mesures y relevées de tout poil. Notre objectif se précisa donc, rencontrer un maximum de protagonistes afin de suivre l'évolution de la problématique, analyser la structure interne des formations à la recherche d'indices susceptibles d'étayer ou d'affaiblir l'hypothèse d'une fabrication humaine. C'était la seule hypothèse pour laquelle nous pouvions imaginer un début de modèle et que nous pensions être en mesure d'approfondir. Celle-ci, qui plus est, ne nous semblait absolument pas négligeable. Poursuivre la collecte des données.
La saison marquée par le développement manifeste des pictogrammes et autres dérivés battait son plein. Et Miden défrayait la chronique avec l'appui de ses collaborateurs japonais et sous l'égide d'une opération Blue Hill. Cette opération visait à surveiller le site des Morgan's Hill à l'aide d'un matériel relativement sophistiqué. Une nouvelle fois, les contacts avec C. Andrew et P. Delgado s'avérèrent impossibles pour cause de Vedetaria, de nos interlocuteurs potentiels. Du côté de T. Miden, ce fut plus fructueux, bien que celui-ci, ainsi que ses amis, se montra plutôt réservé et méfiant à notre égard. Étiqueté que nous étions à la suite de l'article paru dans Science et Vie. Visiblement, nous avions perdu notre neutralité, qui jusqu'alors nous avait ouvert bien des portes. Finalement, outre les diverses rencontres, interviews et autres survols en ULM, ce fut davantage l'analyse des formations qui s'avéra la plus riche d'enseignements. En effet, à force d'essayer de reconstituer a posteriori le possible scénario d'une construction de chaque figure, en se plaçant volontairement dans la peau de mystificateurs potentiels, nous en vîmes à constater un certain nombre de détails pour le moins intéressants. La recherche d'une logique de construction nous conduisit peu à peu à découvrir des constantes de structure au niveau notamment des zones de couvrement des épis. Le détail le plus déterminant fut sans conteste la mise à jour de sentiers cheminant sous les épis couchés. Peu à peu nous vint la conviction que les figures se construisaient à partir de points clés, notamment les centres. Et que pour atteindre ces points stratégiques, les entités bien humaines que nous envisagions ne s'embarrassaient pas de précautions extrêmes, contrairement à nos idées de départ. À terme, il nous fut même possible de prédire tel ou tel détail de structure avant même d'en faire la recherche. Un simple regard sur la géométrie globale de la figure et sur sa situation dans le champ suffisait bien souvent pour deviner sur la base de notre modèle l'emplacement des sentiers ou des recouvrements de couches. Notre conviction se renforçait et ledit modèle s'affinait sensiblement. Après une semaine, le groupe se réduisit à une peau de chagrin puisque seul Thierry et moi-même demeurions, fidèles au poste. Dans le même temps, non loin de là, Yves poursuivait ses pérégrinations. Quelques nouvelles formations permirent de vérifier nos thèses, mais cette deuxième semaine fut pour l'essentiel consacrée au contact. Nos rencontres avec Donald Shireff ainsi que Martin Hempstead et ses amis furent d'autant d'occasions d'échanger nos informations et nos points de vue. Toutes ces personnes relatèrent leur adhésion progressive à l'hypothèse humaine et les sectis de Southampton nous montrèrent comment ils expérimentaient sur le terrain, comme nous-mêmes l'avions fait à Verde un an auparavant. La rencontre avec un groupe d'Allemands puis avec un Américain pour le moins exubérant nous valut même quelques bons moments. Comme cette expérience dirigée par ce gentleman cowboy et qui consista à écrire dans un champ la phrase « Talk to us » à grands coups de débroussailleuse et sous les averses. L'expérience en question était inévitable. Alors comment tout savoir à son sujet, si ce n'est en participant? Dans l'information glanée à la sueur de notre front, en somme, contrairement aux prévisions de notre employeur, les réactions restèrent bien timides de la part des céréalogistes, de la presse et du phénomène, car c'était lui qui, nous avait-il dit, était ainsi défié. De retour en France, l'heure du bilan sonnait une nouvelle fois quand un drame venait frapper Thierry au plus profond de lui-même, le projetant à 100 lieues de ses préoccupations céréalogistes. L'équipe VK91, déjà bien affaiblie, s'en trouvait anéantie d'autant que Gilles Durand décidait dans le même temps de freiner temporairement ses activités ufologiques. Tant et si bien que le traditionnel exposé à l'intention des ufologues du CNEGU resté en France n'eut jamais lieu. Il est vrai que le sujet commençait par fatiguer certaines personnes trop éloignées de la question pour pouvoir participer au débat. Une révélation spectaculaire venait alors de surprendre tout ce beau monde, faisant l'effet d'une bombe en cet automne 1991. Deux sexagénaires anglais revendiquaient la paternité du phénomène et la responsabilité d'une grande partie des empreintes céréalières. L'affaire défrayait la chronique quelques semaines, le temps pour nos deux compères de disparaître dans l'ombre d'où ils étaient sortis comme de diables de leur boîte. Alors que pour beaucoup d'anglais, cette révélation faisait figure de farce, pour le public français, la cause était entendue. Toute l'affaire relevait d'un canular monté de main de maître pour nos deux artistes. Et l'hiver passa. À l'aube de l'été 1992, quatrième épisode. À l'aube de l'été 1992, chagriné de ne pouvoir vérifier si nos découvertes de 91 se confirmaient, je parvins, par chance,
à convaincre Isabelle Dumas d'abord, Christine Zwigart ensuite, de m'accompagner une nouvelle fois sur le sol anglais. Il était clair pour moi que, sans le concours d'autres personnes, je ne pouvais envisager le déplacement tant mes carences en regard de la langue de Shakespeare me condamnaient à l'immobilisme. Yves Chausson, confronté à des problèmes de calendrier, reprit une nouvelle fois la route en solitaire, sans manquer bien sûr de croiser souvent notre sinueux parcours. Robert Fischer, toujours aussi opposé à l'hypothèse humaine, et à toute démarche s'y rapportant, finit cependant par se joindre à nous, pour des raisons pratiques, dirais-je. Aucun objectif commun n'était défini au départ. Je pris donc le parti de poursuivre, dans la mesure du possible, la recherche des sentiers et autres subtilités cachées sous les épis, confiant alors à mes coéquipiers l'objet de ma recherche. Ils comprirent mieux le sens de mes longues séances passées à quatre pattes dans les cercles, grattant par-ci ou soulevant les épis par-là, tant et si bien que je les surpris bientôt à m'imiter, y soupçonnant par là une volonté bien naturelle de mettre en défaut nos pronostics. Il est vrai que rien ne vaut les contre-exemples pour forcer la réflexion et s'approfondir, et pour tempérer des conclusions risquant de s'avérer trop hâtives. Et ce petit jeu se poursuivit 15 jours durant, agrémenté de rencontres diverses, de survols en avion cette fois. Et mon estomac s'en souvient et mes acolytes en rient encore. N'oublions pas ce qui, depuis 91, était devenu une agréable mais fort utile habitude, à savoir de fréquents passages au rendez-vous des chasseurs de cercles, entendez par là le Wagon and Horses, leader incontesté au palmarès des pubs à vocation céréalogiste. Nous y retrouvâmes même nos amis allemands, revenus comme nous sur les lieux du crime. Sur ces entrefaites, j'appris par le biais des revues spécialisées anglaises qu'un de leurs compatriotes, Ken Brown, avait lui aussi découvert en 1991 les fameux sentiers, tout comme il avait lui aussi expliqué par le chant d'un oiseau certains bruits enregistrés à proximité des cercles et considérés comme étranges par Colin Andrew. Ayant moi-même identifié ce bruit comme étant le chant d'une locustelle dès 1989, il me tardait de rencontrer ce personnage au cheminement si curieusement parallèle au nôtre. Encore une fois, ce fut chose rendue possible grâce à la complicité bienveillante de mes compagnons de route, rompus à la langue anglaise, apitoyés qu'ils étaient devant mon ignorance extrême. Cette rencontre s'avéra très fructueuse, tout comme le fut celle avec la bande de Martin Hemstead, qui ponctua notre dernière saison en claire anglaise, dans la bonne ville de Southampton. Épilogue. VK92 s'est ainsi achevé. Et je ne sais si 1993 verra ou non notre recherche se poursuivre. Pour moi, il m'a semblé nécessaire de faire le point sur les acquis. L'idée d'un travail inachevé a toujours la faculté de maigrir et de me décevoir. Nous avons dépensé au total beaucoup d'argent, de temps et d'énergie durant ces 4 années, et je m'en voudrais de ne pas faire le bilan de ces efforts. Aussi, que les conclusions, provisoires, qui vont suivre soient exactes ou non, n'est pas l'essentiel à mes yeux. De toute façon, la vérité éclatera un jour ou l'autre, quoi qu'ait pu affirmer ici ou là. L'important est de trouver la solution, et non de savoir qui la trouvera. Les éléments qui suivent sont le fruit de mon analyse et de ma démarche. Ce sont aussi des portées à la connaissance de ceux que la question intéresse. Selon ce que l'avenir en décidera, ces considérations aideront à faire la lumière sur les phénomènes des corn circles, ou montreront dans quelle mesure notre logique très cartésienne aura pu nous conduire à nous fourvoyer face à des apparences si trompeuses que nous ne serions pas parvenus à les interpréter de façon satisfaisante. Il vous reste donc à prendre connaissance, à juger sur pièce, et pourquoi pas, à aller voir sur place et par vous-même.